Bonjour Martin, et aujourd'hui nous avons un test très spécial. Nous avons l'opportunité de faire la comparaison de le dernier modèle de la Peugeot 5008 et le nouveau modèle. Est-ce que c'est vraiment un voiture différent? Savoir le meilleur est de faire un test et normalement avec le dernier modèle de le 5008. Comme tu peux voir, c'est un minivan, non, c'est une voiture très familiale, mais vraiment un modèle moderne. Et bon, tu peux voir que c'est les classiques vans et sont de pratiquement un. Pratiquement on n'échange pas. Non, viens avec moi, Pilar. Pilar m'aider avec la filmation. Bonjour. M'aider avec ma français. Et viens avec moi pour faire la comparaison extérieure avec les nouveaux de 5008. C'est très facile de voir qui a changé complètement le modèle de la voiture. C'est l'appareillance. Je ne sais pas si c'est uniquement l'appareillance. Si on peut revoir au test de conduction en tout terrain et que c'est probablement le goût actuel avec moi Pilar pour voir le front de la voiture que vraiment c'est une sensation plus forte et que la sensation de l'ancienne voiture 5008. Mais pourquoi c'est un voiture? Un voiture c'est pour une bonne conduction, un bon engin, une bonne chance de vitesse et une bonne direction. Et je crois que c'est le plus important pour voir si on change vraiment les dernières voitures que les actuelles voitures. Nous continuons avec le premier test, le test de l'ancienne 5008. Ok. Le dessin de l'établir est très classique, c'est pas digital, c'est uniquement il y a un petit écran à l'intérieur pour donner information, mais c'est tout pour voir la vitesse, la bouton, l'engine et toute l'information, c'est pas digital. Mais il y a un petit écran, tu dis, et qu'on peut voir. Pour les différentes possibilités, ça c'est le navigateur, mais il y a plus d'informations que tu peux voir. Et 37 degrés, c'est merveilleux de l'Espagne. Et pour donner l'information de température, que nous ferons les tests. Alors, nous commençons. Le changement de vitesse est un changement manuel, c'est un changement très facile de faire. Et le engin de cette voiture est un engin de 150 chevaux. Et alors, c'est vrai que c'est un voiture familiale, mais avec 150 chevaux, tu peux faire les deux conductions, la conduction de tranquille, mais la conduction respective aussi, parce que c'est un bon. Quantité de chevaux pour faire la conduction. Et le volant de cette voiture, c'est un volant un peu grand, mais c'est très facile de rentrer le tournant puisque la suspension de cette voiture est une suspension un peu dure. On peut dire que probablement n'est pas la meilleure suspension pour faire une conduction tranquille à l'autoroute, mais si tu veux utiliser aussi la voiture pour faire une conduction de tournant comme ça, et alors c'est très bon parce que tu peux rentrer très bien et c'est un bon moment pour tester la potence de la voiture, que comme tu peux voir, immédiatement sort, et les freins. Et tu peux faire la réduction de vitesse immédiatement,
et quand tu sors de l'autre monde, de notre pouvoir, réduction et accélération. Pour sortir, changer la vitesse, freiner et réduction. Donc tu peux voir en conduction très sportive et la réaction de la voiture est très très bonne. Alors c'est un voiture très moderne, mais comme tu peux voir, c'est un voiture qui donne une très bonne sensation de conduction. Pour faire une explication de la voiture, ça c'est un voiture de 7-16, non? Comme la voiture en ce qui est bon de cette voiture, est-ce qu'il y a la possibilité en cette petite cristal un écran en vert. C'est un écran aussi. De voilà information de vitesse en seconde. Juste avant, tu as vu sans nécessité de changer la vue de conduction. Bien, Martin, avec ça, je crois que nous avons l'explication des dernières voitures sans 0-0-8. Et avec ça, c'est possible de faire la comparaison avec la nouvelle. Bien, Martin, après la conduction de les dernières sans 0-0-8, nous commençons les tests de la nouvelle voiture. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle voiture? Bien, comme tu peux voir, entre prix là, c'est un dessin plus moderne. Le tableur est complètement digital. Et alors, ça donne la possibilité de changer l'apparence, non? Et d'avoir plus d'informations que les anciens. Je crois que ça c'est important, mais vraiment le plus important est de voir si la sensation de la conduction, la vitesse, l'engine et tout ça, c'est mieux ou non, ou si c'est une sensation différente. La première chose que je peux voir est que le volant est très petit, c'est très sportif, mais bien sûr c'est confortable pour faire une conduction de un air d'objectif dans une voiture comme cette voiture. Mais c'est agréable parce que comme tu peux voir, la voiture est arrêtée et tu peux utiliser le volant facilement parce qu'il y a une assistance de la conduction très très bon. Mais nous commençons. Ça c'est un petit room intérieur pour commencer. Et avec l'état de la roue est très 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 mal. Très mauvais. Très bon pour voir la suspension. Et la suspension est très agréable. Un peu tôt, blanda. Un peu mou. Mou. Que la un peu mou. Donc blanda. C'est mou. Mou. Non, que le dernier. Et ça, c'est une bonne chose pour une roue comme ça. Mais je ne suis sûr si c'est bon pour la conduction d'un roue avec beaucoup de. De tournant. Non, j'ai fait l'accélération pour voir si l'engine est fort. Je ne sais pas si tu écoutes, Martin, mais les sauts, c'est sportif. Je vais. Ouais, bon. Et vraiment, immédiatement, la voiture a sorti. Et nous commençons le tournant et la forme de faire la tournant, c'est très facile. Alors, sensation, mais si tu me demandes ce que je peux faire, vraiment, je peux faire la sensation un peu plus dure de les dernières. Cette voiture est plus confortable, probablement un meilleur voiture pour la conduction à l'autoroute. Mais si j'avais fait la conduction ici, c'est une conduction moins sportive. Et pour un conducteur comme moi qui veut faire une conduction
un peu, merci, un peu plus tranquille. Nous faisons la réduction de vitesse pour voir si le changement de vitesse est bon. Et c'est exactement la même sensation que la dernière, un changement de vitesse vite, très douce, de sensation très agréable, non, et alors en la comparaison pour moi, je crois qu'il n'y a pas de changement, c'est plus ou moins la même chose. Non? Mais Martin, comme tu peux voir, il y a dans moi un conducteur que c'est comme ma mère, un conducteur qui a décidé de contrôler la vitesse terriblement et je ne peux pas faire rien, pour faire la conduction un peu plus vite, alors je crois que le mien tourne complètement et à la direction contraire et ça dit la voiture un peu plus fort. Ici c'est un bon moment pour faire le tour. Une autre fois, comme tu peux voir, la suspension est très très bonne.